Généralement des enfants qui ne sont jamais venus dans une grande ville et qui découvrent pour la première fois la grande ville. Et en plus de ça, ces enfants reçoivent des formations inédites. La bâtisse la plus importante, c'est l'unité centrale. Ordinateur number. C'est celui-là. À Bungwa Ngoto. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. J'ai dit wow, parce qu'ils ont vraiment une bonne mémoire. J'étais quand même surpris. Car en une heure, après la formation finie, j'ai démonté la machine qu'ils avaient déposée. Et ils ont pu reconstituer l'ordinateur à eux seuls. Les composants, j'ai donné le nom pêle-mêle comme ça et ils ont pu retenir le nom de tous les composants en fait. Ce qui est Arando, dans le folie, mais tout le monde ordinateur, tout le monde voit le moko. Regardez donc, une quête de femme de cohérer les ordinateurs. Il faut éviter la stigmatisation pour dire quoi? Tous les peuples, les Touaregs ou les Arabes ne sont pas des terroristes. L'islam, c'est une religion de paix. Vous connaissez le Coran plus que moi. Dieu a dit que tu n'as pas le droit de toucher au chevet de quelqu'un, que tu ne peux pas créer à plus forte raison tu es une personne, oui ou non? Ce que je vous conseille, il faut surveiller ceux qui aménagent ou déménagent suffisamment dans les maisons en location, surtout dans les périphéries là. Quelqu'un déménage dans une maison et puis pop, il a disparu. Il faut faire attention. Pipi fonde en siada ma fo siada gana la fo ana gani fo ka bod fini ter ma port su ku gani fo siada sul ko mi nga bilfu. N'oubliez pas S E sol environnement abri pim 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 sol environnement. Je regarde autour pour voir d'où vient le danger et où est-ce que moi je dois aller. Les civils s'éloignent, nous on va vers les yam vima pour yam tieme ya silse la yam han kamit yam ya silse yam nam vima anonse mbe tengren da tingi kin katwe en god kiwa en katwe njike den nika fa vim pour ale nika fa manda hanna mane mbanga han ya soba en ton ron yikin kun yingir bala yingir la nika fa zinga. Aujourd'hui vous voyez des gens qui vont jusqu'à l'université sans savoir où ils sont en train d'aller. La chance, ce sont des jeunes. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'il est important que dès maintenant, chacun commence à faire son plan. Qu'il sache dans une année où est-ce qu'il est, dans deux ans où est-ce qu'il se trouve, dans trois ans, dans quelle situation il veut se trouver. C'est important parce que comme on le dit, lorsque tu rates le bon virage dans ta vie, lorsque tu ne fais pas le plan de ta vie, c'est comme quand tu es sur une autoroute. Si tu rates le bon virage dans une autoroute, tu peux faire 70 km pour retrouver le bon tournant pour revenir là où tu dois revenir. Ça, c'est vraiment, ils ont besoin de ça. Parce qu'avec l'activité d'hier à Waka Lab, on a vu que c'est des enfants qui sont très intelligents et qui ont de la potentialité. Et donc, il faut pouvoir exploiter cette potentialité-là pour leur donner l'opportunité de s'insérer dans le tissu socio-économique du pays. L'ambassade, à travers ce programme, a voulu montrer son respect envers toutes les religions, et en particulier vers l'islam. Ya na pedre ne mbuy de ne taba na lebin yis kan bisa ti bi so e zutu yi ni mba na rapo en chen se bo tat bon pedre ti bam me ke zin hi ya soma ya alal fala Allahu akbar Allahu akbar. On dit que tant que tu n'as jamais voyagé, tu peux pas découvrir ce que l'autre a, ou bien découvrir et avoir d'autres opportunités. En quittant leurs localités, ils vont avoir une autre ouverture d'esprit. Leur esprit va s'ouvrir au monde. Ils vont voir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et c'est ça qui leur permet de construire l'avenir de demain. En retournant, ils vont aussi informer et à apporter leur expérience à ceux qui sont restés là-bas. Et on espère que cela va motiver les autres aussi à vouloir toujours mieux apprendre et aussi à vouloir forger un avenir meilleur
pour eux et pour leur communauté. Nous sommes depuis un peu ça va venir il y a Ukraine. Ton va t'en pas manquer. Ils ne sont pas manquer. Ton a d'abord eu le combat et ton a mis sa panière et a si beaucoup de rien. On s'est ton a mis à ton tour de combat et ton a mis à niveau hein y a et ton a hein y a si beaucoup. Quand tu ouvres ton front, on coupe les veilles de camp. Pay. Quand on qui a mis les veilles cam. Non, quand j'ai les veilles cam, ça n'est. Mais j'ai été policier et toi, mais ils jouent en tennis. Na ita teni jimu enangar anangwar amna jula dum laata ka tedde ngal assalamu alaykum yaaji min ji ifaanen to julirde do fonctionnaire eni kawndiri jawdi ngadi julirde mawnde ngadi nokku to rewbe julata robinaaji ngadi fu kambe fonctionnaire be kawto be jula be kolli min dewte kewde fonctionnaire ngarna janga qur'aana dum na weli min sanne sanne ta min ji be daade assalamu alaykum. Oftentimes, people from the villages don't have the opportunity to travel throughout the region, let alone get to know their capital, the National Assembly, the National Police, the American Embassy. So we've invited them here to facilitate confidence and trust in the government. We wanted to reinforce the fact that the government works for the people, and that if there's problems of security, that the people, the locals, have trust that they can go to the police to solve the problems. It's in everybody's interest to remain united and to help each other out as neighbors. We have a saying that we've been promoting at the embassy that's "Le civisme c'est moi," because we believe that progress can start with one person, and that if everybody in the community takes initiative, that the entire nation will benefit as a result. Excellence, ce que vous venez de faire, c'est pas aujourd'hui que vous verrez les résultats. Ça sera peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, quand ces jeunes-là vont grandir et vont se retrouver dans des activités rémunératrices ou vont se retrouver dans leur foyer. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que vous avez semé une graine importante, pas seulement pour les vies dont vous avez parlé, mais également pour l'humanité. Les amis de l'ambassade qui voulaient vous soutenir. Merci beaucoup.